Joyeux Noël. Acclamez Jésus, l'enfant qui est né. Amen. Notre thème de ce jour, c'est la dernière cartouche. C'est la dernière cartouche de Dieu. C'est Noël. Jésus est né un jour. Il est né quand même un jour. On ne peut pas douter. Il est né. L'Église a décidé de commémorer cette naissance le 25 décembre de chaque année. Comme ma mère, elle ne connaît pas la date exacte de sa naissance. Mais elle dit, bon, je vais fêter, comme je suis quand même né. Je vais commencer à fêter le 15 août, autour du 15 août, le jour où tombe l'Assomption. Et il y en a, nous avons nos grands-parents. Nous avons parfois nos parents. Ça dépend de l'endroit où tu es né. Tu peux traîner à un endroit où il n'y avait pas une mission. Alors on n'a pas retenu. Bon, dans les temps, c'est peut-être possible. Donc, le 25 décembre, hein, c'est la date que l'Église a choisie pour célébrer. Pourquoi le 25 décembre? Dans l'histoire, à Rome, c'était le jour où les Romains, à l'époque qui étaient païens, avant leur conversion au christianisme, parce que la Rome, la ville de Rome va devenir chrétienne par la suite. Les gens, bon, pas la ville, les Romains, certains Romains vont se convertir par la suite. Alors, à cette date-là, ou aux alentours de cette date-là, les Romains avaient l'habitude de célébrer la naissance du soleil invaincu. Si tu vas en Europe, tu vas comprendre. Donc nous sommes au mois de décembre, il fait froid. C'est l'hiver. Alors pendant cette période, on a l'impression que le soleil est mort. Et tout d'un coup, au cours de cette semaine, on voit le soleil comme s'il reprenait du poil de la bête, comme s'il reprenait de la force. Alors on dit, ah, le soleil, vous voyez, malgré le froid, le soleil est invaincu. Les jours deviennent courts, mais le soleil est invaincu. Les nuits deviennent longues. Le soleil est invaincu. C'est ça qu'eux célébraient. Le soleil qu'ils considéraient comme un dieu. Et voyant ce phénomène naturel, au solstice d'hiver, ils disaient que le soleil était invaincu. Et il y avait des manifestations populaires. Les gens venaient et ils fêtaient. Il y avait des manifestations, des fêtes par-ci, par-là. Alors, le christianisme a trouvé ça à Rome, le 25. Il n'a pas trouvé la fête de Noël. Il a trouvé qu'au 25 décembre, les Romains célébraient le soleil invaincu. Soleil considéré comme Dieu, comme une divinité. Alors, quand le christianisme arrive à Rome, le christianisme dit, voyant comment les Romains devenus chrétiens étaient tentés de revenir à leur vomissure, étaient tentés de fêter Noël. Les pasteurs de l'époque ont dit, mais ces gens fêtent qui? Ils fêtent le soleil. Le soleil qui est une créature. Et ils disent que le soleil est une divinité. Comment pouvons-nous, sur le plan pastoral, faire face à cette concurrence qui nous est faite par les païens? Parce que les nôtres, même convertis, ont tendance à aller célébrer, parce qu'il y a des manifestations festives. Hein? Ils ont tendance à aller fêter comme au beau vieux temps. C'est ainsi que les pasteurs ont dit. D'ailleurs, en réalité, c'est Jésus-Christ qui est le soleil levant, qui est le soleil de justice, d'après Malachie 3:20. Donc Jésus est le soleil. Nous donc, nous allons remplacer la célébration du soleil créature divinisée en la fête du soleil créateur qui est Dieu. C'est ainsi qu'ils ont dit, nous, ce jour-là, alors que les païens célèbrent le soleil créature, nous, nous allons célébrer le soleil créateur. C'est ce qu'ils ont fait.
se fondant sur le fait que la Bible dit que Jésus est le soleil levant qui vient nous visiter. Luc 1, 78. Jésus est le soleil de justice dont les rayons nous guérissent. Malachie 3, 20. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on appelle inculturation. Ici, chez nous, vous pouvez comprendre ça facilement. Nous avons trouvé nos ancêtres, par exemple, qui avaient l'habitude de célébrer, d'accueillir particulièrement les enfants spéciaux. Chez nous, les Kassaïens ici, on a ce qu'on appelle les enfants spéciaux. Par exemple, un garçon qui vient au monde après quatre filles, on considère que c'est un enfant spécial. Alors, il y a une cérémonie dans la culture Luba pour accueillir un tel enfant. On le faisait depuis toujours, nos ancêtres le faisaient, il y a des cérémonies. Il y a les enfants spéciaux, par exemple, une grossesse qui est venue alors que la maman continuait à avoir les règles. On dit celui-ci, c'est Choa. C'est un enfant spécial. Il y a aussi des enfants qui naissent à quatre enfants. Donc tout ça, on avait dans notre culture, avant la venue du christianisme, des cérémonies pour accueillir ces enfants-là. Alors, maintenant quand le christianisme est arrivé au Kassai, les parents sont toujours tentés d'aller faire ces cérémonies-là comme on le faisait dans le bon vieux temps. C'est ainsi que l'église catholique de Mbujimai ou du Kassai a dit non. Il y a moyen qu'on ait des rites propres à nous pour ces enfants spéciaux. Alors, quand tu as une fille qui vient après quatre garçons, on dit, ah, c'est Ngalula, c'est Chanda. Alors, elle est venue changer, parce que Ngalula, il y a dans le mot Ngalula, Kualula, changer. Cette fille est venue changer. Chanda, Kwanda, il y a toujours l'idée là de changement. Alors, il y avait des cérémonies chez nos ancêtres. Alors maintenant, quand le christianisme arrive au Kassai, les gens ont tendance à retourner là. Il n'y a pas que ça. Il y avait d'autres cérémonies. Par exemple, la veuve. Quand une femme perd son mari, il y a des cérémonies. On disait, entre autres, ton mari était sur son corps. Il fallait enlever le mari sur le corps. Et pour ça, elle doit avoir des relations sexuelles avec l'un de ses beaux-frères. Alors, l'église est arrivée maintenant en Bujimaï. L'église dit, non, ça c'est pas bien. Nous allons créer nos rites à nous. Parce que si on ne fait pas ça, les autres vont l'attirer. Ah non, maman, ton mari est mort et tu restes comme ça. Il faut une cérémonie comme on faisait nos ancêtres. C'est ainsi que l'église a pris le devant. L'église a maintenant ses cérémonies. Comment est-ce qu'on peut prier sur une veuve? Parce qu'une veuve sur qui on n'a pas prié, sur qui on n'a pas fait les cérémonies des ancêtres là, elle va penser qu'il lui manque quelque chose. Le défunt mari est encore sur le corps. Alors l'église a un rite. Alors la femme vient, on prie sur elle, on lui verse de l'eau bénite et elle change les habits qu'elle avait. Alors on dit, voilà, ton mari est parti après avoir prié. On a prié, donc c'est fini. Donc tu n'as plus de problème. Si quelqu'un vient te dire, oh viens, aie des relations sexuelles avec moi pour que je prenne ton mari, dis-lui, moi, on a déjà prié pour moi. Ça, ce sont des efforts d'inculturation. C'est-à-dire l'évangile dans notre culture. Pour que les gens ne soient pas tentés à retourner au tard de notre culture, de nos coutumes. Ça, c'est chez nous ici. Alors, si tu comprends ce qu'on a fait chez nous, qu'il y a maintenant des rites, les Blancs ne connaissent pas ça. Mais au Congo, au Kassai, on sait maintenant que, ah, ça, c'est un enfant spécial. Il a des rites propres à lui. Chrétiens à Rome. Ils arrivent à Rome, ils trouvent une fête qui a beaucoup de succès. Mais cette fête est païenne. Elle célèbre le soleil, créature, mais divinisé. Le soleil, créature, mais idolâtré. Alors ils ont dit non. Quand nous lisons dans la Bible, nous trouvons que le véritable soleil, c'est Jésus. Est-ce que Jésus est né? Parce que eux fêtaient la naissance du soleil invaincu. Et c'était ce soleil ici, créature. Alors les pasteurs de l'époque ont dit, non, nous pouvons enlever. Nous pouvons faire un coup d'état à ce qui était célébré par les païens. Hein? Ce n'est pas que la Noël, il y avait une Noël païenne, non. Ce n'était pas la Noël. C'était leur fête. Natalis Solis Invicti.
Et nous, nous avons mis Noël. Alors, il y a des problèmes pour dire Noël. Noël vient d'où? Les gens, certains disent, ça peut être venu de nom Emmanuel. À force de dire Emmanuel, Emmanuel, ils ont commencé à la fin à dire Noël, Noël. Bon, ça, sur l'origine, on ne sait pas. Le mot comme tel, ça vient d'où? Il y a beaucoup de thèses, beaucoup d'hypothèses. Mais le nom existe. Le nom existe, c'est Noël. Noël. Amen. J'ai rié quelqu'un qui disait que Noël vient de l'anglais. Non, pas. Et elle, Dieu, pas de Dieu. Donc il prend non en anglais et elle en hébreu. Il dit Noël, c'est-à-dire pas de Dieu. Donc c'est le jour où on dit il n'y a pas de Dieu. Il dit non, l'étymologie de Noël, c'est non en anglais qui signifie pas et puis elle. En hébreu qui signifie Dieu. Donc, Noël, ça signifie pas de Dieu. Parce qu'à l'époque, les gens la parlaient anglais et hébreu. Amen. Amen. Est-ce que les chrétiens de cette époque-là avaient-ils raison de faire ça? Je fais juste un rappel. Je vous rappelle, Juge 6, Gédéon avait fait une chose semblable. Son père était adorateur des Baals. Il avait érigé un autel à Baal. Alors, Gédéon, Dieu lui a dit, détruis l'autel de ton père. Et au même endroit, bâtis-moi un nouvel autel. Et la nuit, Gédéon est venu, il a détruit l'autel de son père. Son père qui était juif, hein, mais il adorait Baal, un dieu païen, un dieu philistin. Alors, Dieu a dit à Gédéon, tu détruis l'autel que ton père a érigé en l'honneur de Baal. Au même endroit, tu me bâtis un autel. Et tu prends le bois de l'idole là. Tu le brûles. Tu prends la vache de ton père. Et tu m'offres un sacrifice, un holocauste. Donc, au même endroit, avec le même bois, avec la vache de mon père. Et c'est facile à comprendre pourquoi les gens créent des problèmes. Il y a des églises qui sont des anciens bars. Vrai ou faux? Hein? Il y a des églises qui sont des anciens bars. C'était un bar, le bar est tombé, le pasteur a trouvé, c'est une bonne parcelle, ils sont venus acheter. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont dit, au nom de Jésus, nous prenons possession de ce lieu. Il devient à nous. Parce que la Bible déclare, tout lieu que foule la plante de vos pieds, je vous le donne. Nous venons de prendre ce lieu au nom de Jésus. Ce que eux ont fait ou font des lieux, nous, nous les faisons des dates, des jours. L'Église a pris possession du 25 décembre. Il a dit ce jour, puisque Dieu est le maître des temps et des circonstances, nous le prenons, car tous les jours appartiennent à Dieu. Comment est-ce que les païens avaient pris en otage le 25 décembre? Nous récupérons ce jour et pour les concurrencer et les battre, nous allons célébrer notre Dieu le jour où ils célèbrent le leur. Et au final, aujourd'hui, à travers le monde, il n'y a personne qui parle de Natalis Solis Invicti. Vous avez entendu quelqu'un fêter ça? Cette fête-là a disparu. Tout le monde aujourd'hui dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Éternel est sa puissance. Donc l'Église a réussi. Et ce travail fait par l'Église, c'est le travail que nous devons continuer. Détrôner Satan, chasser Satan et installer Dieu, introniser Dieu à l'université, chasser Satan, introniser Dieu au marché, chasser Satan, introniser Dieu partout où vous allez, vous devez continuer ce travail-là. Le diable, le paganisme doit être chassé et c'est Dieu qui doit régner. Amen. Fêter Noël, c'est ça. Là, partout où tu vas, tu regardes les cérémonies qui sont faites, tu te poses la question, où est Dieu dans ça? Comment pouvons-nous chasser Satan et installer Dieu?
Par exemple, le jour du mariage dans votre culture, on demande aux gens 20 casiers de bière. Pourquoi? 20 casiers de bière pour faire quoi? Non, papa, pour la dot, 20 casiers de bière. Ah! C'est une famille d'ivrogne. Alors, toi, quand tu es chrétien, tu dis, pourquoi on demande 20 casiers de bière? Moi, je vais demander 2. On va prendre là-bas avec ceux qui sont là. Alors, les restes, nous allons instaurer, nous les chrétiens. Maintenant, la dot, le jour de la dot, on va commencer à demander des Bibles. Papa voulait épouser notre fille, offrez-nous 100 Bibles. Au lieu de 20 casiers de bière. 100 Bibles que nous allons distribuer. Avec 200 chapelets. Comme ça, tous les chrétiens, quand tu vas épouser l'enfant d'un chrétien, tu sais qu'ici, on ne va pas me demander la bière. Si on demande la bière, c'est 2 casiers. Mais on va me demander des Bibles à distribuer à l'église. On va me demander des chapelets. On va demander une chasuble, papa. Cet enfant, vous savez, c'est un enfant de Dieu. Nous te demandons d'offrir une chasuble. Alors, dans la dot liste, il y a la chasuble. Donc, vous achetez ça à notre pasteur. Vous achetez 200 Bibles. Vous achetez 300 chapelets. Si c'est une famille riche, papa, je vous demande seulement une chose. Amenez-moi à Lourdes. Dans la liste. C'est l'ordre de l'argent. Parce que les mamans demandent toujours les habits. C'est ça le rôle des chrétiens. Regardez aujourd'hui, je vous pose une question. Aujourd'hui, les jeunes gens commencent à demander le mariage aux jeunes filles à genoux. Où ont-ils appris cela? Pas de leurs églises. Ils ont vu à la télé. C'est la télé qui nous influence. Par exemple, chez les Bassongue, on demandait la boisson. C'est quelle boisson? Vin de palme. Mais alors, les Bassongue, quand ils font un Kinshasa, ils ne demandent plus vin de palme, ils commencent à demander Skol. Vin de palme, c'était symbolique. C'était combien de bouteilles? Une dame Jeanne, ça suffisait. Mais maintenant, le Moussongue qui est à Kinshasa dit, oh non, donnez-moi 20 casiers de bière. Tu vois, c'est, qui l'a influencé? Les Quinois. Pas la Bible. Pas le christianisme. Donc on ne tire pas ça de l'église. Aujourd'hui, les dames commencent à se marier avec des ketchs. Elles portent des ketchs. Elles ne portent plus de talons, elles portent des ketchs le jour de son mariage. C'est venu d'où? Pas des églises. Mais c'est une dame peut-être qui a commencé. Et mais nous ne sommes pas les acteurs de ce changement-là. Nous n'influençons rien. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'influence. Nous suivons le monde. En bien comme en mal. Or, le christianisme à l'époque, il trouve Rome, la Rome païenne, tout un empire en train de fêter le soleil invaincu. Et l'église arrive. Ils n'étaient pas nombreux, c'était une minorité. Petit à petit, ils sont arrivés à supprimer cette fête et à imposer la leur. Nous allons fêter Jésus. C'est Jésus qui est né. C'est Jésus qui est né. Et c'est venu jusqu'à nous. Pour que vous sachiez qu'il y avait une fête païenne, il faut que je vous explique comme je vous explique maintenant. Mais beaucoup ne savaient pas. Certains même ont cru que Jésus était né vraiment le 25 décembre. Parce que l'église à l'époque a travaillé. Et l'église avait de l'impact. Et elle a changé les choses. Soyons aussi une église qui a de l'impact. Soyons aussi une église qui impacte le monde. Qui impacte la société. Qu'il y ait des gens ici en Bougimaï qui font des choses parce qu'ils les ont apprises de l'église. C'est tout ce que nous faisons ici. Quand nous faisons le jour de Noël, je dis, faisons la caravane. C'est pour ça. Parce qu'il y a des gens qui avaient oublié. Comme c'est dimanche aujourd'hui, beaucoup ne savent pas que c'est Noël. C'est quand on passe à Noël. Ah, c'est Noël, oui. Ah, Noël, on fête encore. Mais imaginez ce que nous faisons ici. Si Sainte Marie le fait, Bonsoir le fait, Sainte Ursule. Donc, en Bougimaï, les gens sauront que Noël doit être fêté. Et nous allons impacter la ville. Et ça aura des incidences même sur le plan économique. Parfois, vous ne comprenez pas ça. Donc, quand à Noël, nous payons les chapeaux ici, il y a des gens qui vendent. Mais si maintenant nous nous réussissons à créer nos propres chapeaux, une dame de chez nous ici qui dit, moi je peux commencer à faire ça. Donc, quelqu'un de chez nous peut s'enrichir à l'occasion de Noël. Parce que moi, j'étais en Espagne. En Espagne, il y a des biscuits qu'on appelle les tourons. Hein?
Le turones, on les mange que à Noël. Après Noël, ils sont dans les magasins. Donc, sont des biscuits très durs comme ça. Mais on les mange seulement à Noël. Donc, les gens qui les vendent, donc il y a des usines qui ne sont là que pour ça, pour vendre à Noël. Mais ils ont réussi. Hein. Le christianisme en Europe, même si les gens ne vont plus à l'église, mais leur fête, ils les ont gardés. C'est devenu quelque chose de culturel. Mais je me demande, nous, les chrétiens d'Afrique, quand nous ne croirons plus, quand il n'y aura plus de foi en Afrique, ce qui va nous rester. Parce que les fêtes déjà disparaissent. C'est quand tu es ici à la notre paroisse ici que tu sens que Noël, c'est Noël. Hein, on fait tout pour que tu comprennes que Noël, c'est Noël. Amen. Et parfois ailleurs, bon, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, c'est Jésus est né, etc. Moi, j'étais même en Europe, à Noël, là, le dimanche, jamais, on ne chante même pas. On ne chante même pas Noël. Il n'y a pas de chant. On récite le Gloria, on fait tout. Est-ce que vous avez compris la démarche de l'Église? Si quelqu'un te demande est-ce que l'Église avait le droit de faire ça, dites-lui que c'est ce que tu fais, toi aussi tu fais ça. Le propriétaire de Facebook, qui le connaît? Est-ce que c'est un occultiste, oui ou non? Nous ne savons pas. Mais toi tu es chrétien, tu vas sur Facebook pour évangéliser. Si c'est créé par un non-chrétien, cet homme-là peut être féticheur, peut être occultiste, mais tu es là pour évangéliser. C'est-à-dire tu dis... Si lui avait de mauvaises intentions en créant Facebook, moi j'entre sur Facebook pour évangéliser. Je prends possession de Facebook. Je vais prêcher la parole de Dieu sur Facebook. Mais celui qui a créé, ce n'était pas pour que nous puissions utiliser ça pour évangéliser. Lui peut-être avait ses objectifs, on ne sait pas. Si ce sont des occultistes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais nous, nous sommes là. Il n'y a aucun chrétien qui fuit Facebook. Ah, je fuis Facebook. On ne sait jamais, c'est lui qui a créé ça. Ça peut être un sorcier. Il avait peut-être de mauvaises intentions. Mais nous disons, nous prenons possession de Facebook. Comme nous prenons possession de lieux. Un ancien bar qui devient une église. Il y a des pasteurs qui vont prêcher au stade. Mais avant, tu fais quoi? Tu pries, tu dis, au nom de Jésus. Nous ne savons pas ce qui a été fait dans ce stade. Mais nous déclarons, nul est sans effet, tout ce qui a été fait. À partir de maintenant, ce stade nous appartient. Au nom de... C'est ce que l'Église a fait. Mais alors, quand tu ne connais pas l'histoire, tu vas dire non. Et les païens fêtaient Noël. Les païens ne fêtaient pas Noël. Le 25, ils fêtaient la naissance du soleil qu'ils considéraient comme invaincu. Le soleil créature qu'ils avaient divinisé. Et l'Église a dit, le véritable soleil levant, d'après Luc 1, 78, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que Malachie 3, 20 appelle le soleil de justice dont les rayons nous guérissent. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on chante à Noël. Réjouissez-vous tous dans le Seigneur. Monde, alléluia, alléluia. Notre Sauveur est né dans le monde. C'est ça. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Notre Sauveur est né dans le monde. Alléluia. C'est ça qu'on chante. On a fait un péché. On a tué quelqu'un. On dit notre Sauveur. Et nous le connaissons, c'est Jésus. Est né dans le monde. Alléluia. Et toi, tu es contre. Tu es notre problème. Jouissons-nous tous dans le Seigneur. Notre Sauveur est né dans le monde. Alléluia, alléluia. Il est né. L'histoire a commencé là. S'il n'était pas né, il n'allait pas mourir. S'il n'était pas né, il n'allait pas ressusciter. Sauveur, le roi de l'univers.
C'est ce que je dis souvent, que les chrétiens doivent être animés de bonne foi. Je vous dis que Noël, c'est de l'évangélisation, j'allais dire, gratuite. Nous évangélisons en dormant. C'est-à-dire le jour, aujourd'hui le 25. Partout, on va citer quand même Jésus. On va dire, dans le monde chrétien, aujourd'hui, on célèbre la naissance de Jésus. On commémore la naissance de Jésus. On va le dire. Même les chaînes arabes vont le dire. Même les pays athées vont le dire. Alors c'est ça que je dis, une évangélisation gratuite. Nous dormons, mais le monde, les radios évangélisent, citent Jésus. Et Jésus est content quand on le cite. Vous vous rappelez, les apôtres disent, oh, il y a quelqu'un qui chasse les démons, mais il n'est pas de notre groupe. Jésus dit, non, laissez-le. S'il n'est pas contre nous, il est pour nous. Vous vous souvenez de Paul? Philippiens 1, 16 et 18, par là. Hein? Paul est en prison et des gens commencent à prêcher Jésus. Pas dans un bon sens. Pas avec de bonnes motivations. Il prêche Jésus pour que les autorités, voyant que le nom de Jésus est prêché un peu partout, qu'ils se fâchent et qu'ils retiennent Paul en prison beaucoup plus longtemps. Paul l'apprend. Il dit quoi? Bon, ces gens-là, ils font quoi? Ils prêchent Jésus. Même s'ils ont de mauvaises intentions, au moins, Christ est annoncé. Et pour ça, je m'en réjouis et je m'en réjouirai toujours. Pourvu que Christ soit annoncé. Ah, on fête Noël. On cite qui? Christ. Pourvu que Christ soit annoncé. Je ne combattrai jamais Noël. Parce qu'à Noël, on cite Jésus. Pourvu que Christ soit annoncé. Et nous avons ici, chez nous, un abbé. L'abbé Alphonse Chitten, qui est né d'ailleurs le 24, il a fêté son anniversaire hier. L'abbé Alphonse Mathieu Chitten, il était témoin de Jéhovah. Comment est-il devenu catholique? Un jour, il va en Andangiga, alors qu'il était témoin de Jéhovah. Il voit comment, à Sainte Bernadette en Andangiga, on prépare la fête de Noël. Alors, il y a des travaux, les gens sont dehors en train d'arranger, on nettoie l'église. Ça le fait réfléchir, dit, ah, ces gens doivent être plus que nous. Comment ils fêtent la naissance de Jésus? Non, non, non. C'est ainsi qu'il est devenu catholique, il est devenu prêtre aujourd'hui. Il était témoin de Jéhovah. Des témoins de Jéhovah à prêtre. Pourquoi? Converti par Noël. Ce que les chrétiens faisaient autour de Noël a touché son cœur. On fait ça. Il a vu la crèche. On a arrangé ça seulement pour fêter Jésus. La naissance. Amen. Amen. Demande à ton voisin qui se préoccupe de fêter ta naissance dans ce monde. Tu vois que très peu de gens se préoccupent de fêter ta naissance. C'est peut-être ta femme, ton père, ta mère. Eux connaissent la date. Eux tiennent à la date. Le 11 mars, c'est l'anniversaire de l'abbé Blaise. Il faut qu'on fasse. Mais c'est pas beaucoup de gens. Hein? Les autres, ils vont se faire. Ah, c'est son anniversaire. Ok, joyeux anniversaire. Mais il y a des gens qui, à minuit, t'appellent. Joyeux anniversaire. Donc, très peu de gens pensent au jour de votre naissance. C'est ça, je pense, qui a touché l'abbé Alphonse. Hein, il a dit, ah, ces gens ici, ils se mettent à penser au jour de la naissance de Jésus. Comme je vous l'ai expliqué ici, c'est à l'église catholique que tu vois que Jésus est valorisé. Parce que les autres, Jésus te dit chaque jour, Jésus, dis vers moi, délivre-moi, donne-moi, distribue-moi. Mais les catholiques, ils ont un jour, aujourd'hui seulement, la naissance. Réjouissons-nous dans la naissance. Jésus est né, Jésus est né, Jésus. Tout un jour, Jésus est né. Donc, la nuit d'hier, c'était Jésus est né. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair.
C'est ça qu'on a médité. D'abord, on a eu 4 semaines pour méditer. Jésus va naître. Il va prendre chair. Il va s'incarner. On a médité les textes nous disant, oh, c'était comment Marie, comment c'est arrivé, comment l'ange est allé chez Marie, et comment Marie est allée chez Elisabeth, comment Zacharie, tout ça, Jean-Baptiste. On a tout ça. Hein? Ce sera ça qu'on va voir pendant tout ce temps. 4 semaines de l'Avent et tout le temps de Noël ici. Nous allons fêter ça. Nous terminons par exemple ce dimanche ici. Nous allons vendredi. Nous allons fêter Sainte Famille. Ça c'est Jésus était dans une famille avec un père, Joseph, avec une mère, Marie, le père, virgule, la mère, virgule, et tous les enfants qui formaient la famille. Nous allons fêter la Sainte Famille. Ça tombe un vendredi, mais souvent ça tombe un dimanche. Le dimanche, seulement Sainte Famille. On termine là, on dit aujourd'hui, on va fêter le jour où les mages sont venus adorer Jésus. Ça c'est épiphanie, manifestation. Les mages ont quitté l'Orient, ils ont suivi l'étoile, ils sont venus, ils ont apporté à Jésus l'or, l'encens et la myrrhe. Tu peux être dans une église de réveil. Tu termines toute ta carrière là-bas, tu n'as jamais entendu un jour on prêche sur les mages, où les mages ont porté l'or. Si on prêche, on dit, ce sera pour dire, bien aimé, qu'on t'apporte aussi l'or, qu'on t'apporte aussi l'argent, que toi tu vas avoir l'argent, que les mages viennent de l'Orient. L'Orient c'est quoi? C'est Kinshasa. L'Orient c'est quoi? C'est Bandundu. Que les gens t'amènent l'or, que tu reçoives de l'or. Chez les catholiques, il y a tout un dimanche épiphanie. Les mages sont venus donner de l'or, de l'encens et de la myrrhe à Jésus. Et on termine le temps de Noël avec le baptême du Seigneur. Tout un dimanche, on fête seulement le baptême du Seigneur. Jésus a été baptisé. Jésus a été baptisé. Ça s'est passé comment? C'était comme ça. Pourquoi il a été baptisé? Tout un dimanche. Avec ça, on termine le temps de Noël. On entre dans le temps ordinaire. Là, on lit les textes ordinaires. Et puis après, on dit, ah, voilà, 40 jours avant Pâques, on se prépare. Jésus va mourir. Jésus va mourir pour nous. 40 jours, nous aussi, on souffre avec lui. Et Jésus meurt. Donc, on a un jeudi saint. C'est le jour où Jésus a institué l'Eucharistie. Ce jour-là, où il s'est assis avec ses disciples. Il dit, prenez, mangez, prenez, buvez. Nous avons jeudi saint, nous ne fêtons que ça. Il a lavé les pieds à ses disciples. Les prêtres aussi lavent les pieds aux chrétiens. Oh, ce jour-là, si Jésus a donné le pain, il a dit, prenez, c'est mon corps. Il a donné le vin, prenez, c'est mon sang. Jeudi saint. On tenait jeudi saint, on entre dans vendredi saint. Vendredi saint, c'est le jour où Jésus est mort. On vient à l'église ici, on a tout enlevé. L'église est dépouillée, l'église devient pauvre. La célébration de ce jour-là, c'est l'unique jour au monde où on ne dit pas la messe. Il n'y a pas de messe. Il y a une célébration de la passion, pas la messe. Ce jour-là, vous mangez la communion de la messe du jeudi saint. Le vendredi saint, on ne dit pas qu'il devienne pour nous le corps et le sang. On a dit ça jeudi et on va manger la communion de jeudi le vendredi. Là, c'est comme un jour de deuil. Jésus est mort. Jésus est mort. L'église est dépouillée. Les croix sont couvertes. Ce jour-là, le prêtre entre à la messe. Il vient directement. Il se couche. Il n'y a pas de chant. On entre là en silence. Le prêtre, il se couche. Jésus est mort. Et puis après on dit, il est mort le vendredi. Le samedi, le matin, il est au tombeau. La nuit, il est ressuscité. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire pour l'été. Ça c'est la Pâque. Et là, on a 50 jours. Le prêtre est en blanc pendant 50 jours. On ne fête que la résurrection. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. 50 jours. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus. Ça, c'est l'église catholique. 50 jours seulement la résurrection. Il est ressuscité. Au cours des 50 jours-là, il y a des fêtes à l'intérieur. Par exemple, la Trinité, Sacré-Cœur, Corpus, Saint-Sacrement. On fête là. Et puis après, Pentecôte. Ça, c'est après Pentecôte. Après Pentecôte, qu'on fête les autres là. 50 jours, Pentecôte, et après Pentecôte, alors on célèbre les fêtes dont j'ai parlé là. Donc, 40 jours, on se prépare à Pâques. Après Pâques, on fête 50 jours, fêtant Pâques jusqu'à la Pentecôte.
On termine. Et au cours de l'année, on a des fêtes. Christ roi. Aujourd'hui, on fête. Christ est roi de l'univers. Toute une fête. Vous savez qu'il y avait une fête au mois de janvier ici. Le pape a voulu qu'on la réévalue. La fête du nom de Jésus. Il y avait une fête seulement. Le saint nom de Jésus. Amen. 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 Alors, vous voyez, quand tu es catholique, tu comprends ces choses. Mais, alors, c'est ça qui a touché l'abbé. L'abbé a dit, ah, c'est moi, dans ma vie, qui célèbre ma naissance. Ce sont mes proches qui s'intéressent au jour de ma naissance. Ce sont mes proches. Il faut être mon enfant, il faut être mon mari, mon épouse, mon père, ma mère, pour savoir. Alors, les catholiques, comme ils s'intéressent à la naissance de Jésus, ah, ils sont proches. Ce sont les proches de Jésus. Parce qu'il n'y a que les proches qui connaissent la date, qui choisissent une date où ils te fêtent et disent c'est le jour où tu es né, reçois les cadeaux, joyeux anniversaire. Amen. Mais nous, nous fêtons la naissance de Jésus, mais ce n'est pas son anniversaire. Parce que la date du 25, comme vous l'avez entendu, est une date conventionnelle. On a choisi, on dit, bon, ce jour-là, le jour où les païens fêtaient le soleil, créature, nous, nous allons fêter le soleil créateur. Le 25, c'est une date conventionnelle. Même s'il y a des gens qui disent, bon, c'est aussi inspiré, bon, ça, c'est notre thèse. Mais disons que c'est une date conventionnelle. C'est comme quand on dit le 8 mars, journée internationale de la femme. Ce n'est pas que les femmes ont été créées le 8 mars. Hein? Ce n'est pas le jour où on a créé la femme. Donc, comme on fête la femme le 8 mars, donc elle a été créée ce jour-là. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. On a choisi un jour. On dit ce jour-ci, nous allons célébrer la journée internationale des droits de la femme. Ce n'est même pas une fête. Ce sont les femmes du Congo qui ont transmis ça à une fête. Mais c'est la journée où on médite sur les droits des femmes. Est-ce que les femmes au travail sont bien payées? Est-ce que les femmes dans le foyer sont bien traitées? C'était ça. Mais c'est devenu maintenant chez nous ici le jour où les mamans portent les pagnes et vont boire. Journée de la femme. Amen. Donc c'est simple à comprendre. Mais les gens veulent seulement compliquer. Vous voyez le problème des chrétiens, c'est quoi? Le problème des antagonismes, hein? Comme j'ai dit, des antagonismes radicaux. Quand tu as déjà levé ton option, même si on te montre que c'est comme... Il faut être vraiment chrétien pour dire oui, oui. En tout cas, tu as raison. Je trouve que ça va. Mais quelqu'un qui a fait des années soutenant que Noël, c'est une fête païenne, il a soutenu ça. Pour qu'il puisse dire, non, je m'étais trompé. Ah, il faut qu'il soit humble. Il faut qu'il ait Dieu en lui. Amen. 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 Donc si quelqu'un veut te compliquer, réponds-lui avec ces arguments-là, peut-être il comprendra.